Salut tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien comme on peut le voir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dwarf. Et donc on continue les aventures de Tungil et de la joyeuse bande qui se dirige vers les ruines de des je sais même plus c'est quoi le numéro de leur de ces ruines, la quête des seconds. Cinquième, voilà. La forteresse des cinquièmes. C'est ça. Qui a été envahie il y a fort longtemps. Et par les Albes. Et qu'on va normalement par là-bas pour aller forger la lame de feu qui va nous permettre de détruire le méchant de l'histoire. Désolé, j'essaie de me rappeler les noms, mais... J'ai plus du mal. Hein. Mais bon, enfin on arrive à cette montagne. Nodon, voilà, Nodon. Le méchant de l'histoire s'appelle Nodon. On va forger la lame de feu qui permet de le détruire, parce qu'il est immortel. Scholar, can you smell it? There are piggies nearby. You sniff deeply, but don't smell anything but the stench of sulfur. But you do see something moving in the shadows and are immediately wide awake. Des orques. Ok, cool, ça commence. Et je crois qu'on avait perdu la naine dans le dernier épisode. Oui, c'est ça. On avait combattu des elbes. Il y avait la naine qui avait du sang noir. Ah voilà, on a découvert l'eau noire. Et la naine avait, c'était sa drogue puisqu'ils avaient fait des expériences sur elle avec elle qui lui donnait des pouvoirs magiques. Mais elle en était dépendante. C'est ça, hein, je crois qu'elle est morte. Ouais, c'est ça, elle est morte. De toute façon, il ne reste plus que tout ça. Enfin, putain, tout le groupe. Le groupe. Bon, allez, on va prendre des bourrins. Et donc... Qu'est-ce que tu as toi? Ça c'est quoi? Ça vous tenter de faire? Ok. On va regarder ça. D'accord. Ok. Et toi, t'as quoi? T'as que ça, ok. D'accord, super, ça commence. Ah oui, en plus on est encerclé quoi. Alors attendez. Hop. Okay, tu vas faire ça. Et toi, tu vas faire ça. Et Jeroen, tu vas faire ça. Boum, allez hop, on n'en parle plus. Attendez, comment je me... Oui, d'accord. Mais... Ah, zut. Comment je me dirige déjà? J'ai oublié. Bref, ça me saoule toi. Allez, dégage. Ma petite là, t'es en train de prendre super cher quand même. Viens par là, oh là là, t'es en train de crever toi. Vous êtes où vous? Ah vous êtes tous là, d'accord. Va l'aider. Et toi, tu vas faire ça parce que... Ingab, c'est con. Allez, va l'aider. Va l'aider, je te dis. Ok, je sais pas ce qu'ils veulent en plus, c'est ça le truc. Boum, allez hop, on n'en parle plus. Messieurs, vous remontez? Allez, on remonte. Va me faire ça. Allez, va dire au revoir. Dégage. Allez, on remonte. Parce que je sais même pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non,
Putain, mais... oui, d'accord. What is it? Ok, ici, toi. Ok, t'as rien à faire. Ok, toi t'as été massacré. Putain, mais ça revient à chaque fois. Hein. Tout pareil pour lui. Putain, oh, j'aimerais bien que tout le monde soit en groupe en fait, parce que là. Je ne sais pas si vous faites. Hein. Attaquant tué 20, à 29 sur 50, ok. Je suis aveugle, c'est tout. On a encore une. Ok, tout le monde soit en groupe, c'est mieux. On fait ça sur lui. Hop, homme. Et toi. Boum, hop là. Je vais le... Ah bah vous êtes là. Ah, tu peux rien faire. Ah si, lui. Ah tu l'as raté, dommage. Ouais, tu peux refaire. Ah, mais bon. Allez, il va me tuer lui. 34 sur 50. C'est fait. Il roule dessus, il attendra bien. Ah, fais-le. Allez, dégage. Il est déjà chez Mel. Lui. Ça sert à rien de faire ça. Hop, toi t'es mort. 39, bon, il ne reste plus que 11 à avoir. Allez, sur les autres. Ils sont tous là-haut là. Comment on fait pour y aller? Alors, attendez. On va aller les chercher. Ah, ok. Ouh, je t'ai raté toi. Je fais ça et toi. Tu me fais ça. Boum. Turn Gate est tombé. Ah d'accord, il y avait rien d'autre. Attends, peut-être que là, il y a des trucs. Il y a quoi là-haut? On va monter, il y a un mur invisible. Il y a un mur invisible, ok. Qui est-ce qu'il en fait du boucan? Ils sont où les autres orques là? Je les entends en plus. Voilà. Par là, par là. On va les rejoindre. Salut. Dans la gueule. Et toi, on te termine comme ceci. Voilà, tu toi maintenant le dernier de tous. Boum. Boum, et voilà. Ouf. Bon, c'était pas très compliqué. You check the others one by one to see how they are. Bavragor seems out of it and is staggering with every step he takes. Bavragor, are you all right? Agonizingly slowly, he turns to face you. Blood is flowing from his mouth and through his beard. I made a mistake. Bavragor qui meurt. All strength slips from his body and he falls forward.
An arrow is protruding from his back. Andekai, Bavrogor has been hit! You immediately rush towards him. Balandis, next to you, takes his hand. Too late. The arrow was poisoned. I could feel it. I hadn't planned to return to the kingdom of the Secondlings. But I did at least want to complete my task to die in glory. You won't die, Bavrogor. Andekai, can't you? You turn to the Maegar, but one look at her face robs you of all hope. She shakes her head imperceptibly. Little town. We are in the perished land, aren't we? Let me die. Then I can at least complete my task. My defiance will be stronger than the urge to do evil. Before you can object, Boindil lays a hand on your shoulder. You know yourself how stubborn we are, Scholar. We should grant him his wish. If he turns on us, then I will take care of him myself. You've heard about dead dwarves on expeditions in the perished land. Surtout que c'était lui qui avait tué sa sœur dans une rage incontrôlée. Bavrogor's breathing is becoming shallower until it finally stops completely. While Balandis is still sobbing next to you, the stonemason rises suddenly. His face is pale and his eyes seem empty. Even death can't stop me. A zombie. I told you. My defiance is stronger. None of you really know what to say, and finally Bavrogor compels you to continue your journey. You can see the inner conflict in the stonemason's face, and you don't know how long he can resist it. You continue on your way with an uneasy feeling. D'accord. Je me rappelle plus si. Enfin, je me rappelle. Le livre, ça fait longtemps. Je me rappelle plus du tout s'il est. Il est décédé comme ça. On a dit oui. Alors, on a gagné une potion de tenaison. Cool. 35 de bouffe, 558 d'or. Enfin, les potions, je les. Ouais, ça, on l'a accompli, ça. Allez, enfin. Ajouter, quoi. Allez, prends la route. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas? Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il y a ça, enfin, je l'avais pas vu derrière. Has assured you that everything is all right. But since he came back, he has kept himself apart. Il est pas mort encore. You decide to talk. Je me disais aussi. Are you really all right? I feel nothing, Tongdil. I don't feel my body anymore, and my head is strangely empty. Ah, si, il est à moitié mort. Things that I used to love, and things that I hated. He glances at Boindil. I would like to rip into shreds and devour. You had no idea that it is so bad. On one hand, you feel an unspeakable pain seeing your companion in this state. On the other hand, you are afraid that he could attack one of you. And you hate being so afraid of Bavrogor. Hey, Maegar, tell your henchman he shall look after me. If I do things I shouldn't do, he is to stop me. Everyone has stopped in their tracks and are all staring at the stonemason. Andekai is the first to free herself from the tense torpor. Ah oui, en plus, lui, c'était le tailleur de pierre. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Je me souviens du livre. Parce que, oui, à chaque, pour souvenir, chaque personne a sa spécialité dans la troupe pour fabriquer la lame de feu. Donc il fallait un tailleur de gemmes, un tailleur de pierre, un forgeron, il fallait quoi d'autre encore? Il fallait, après il fallait tous les accessoires avec le manche en bois, tout le tralala. Et donc lui c'est le tailleur de pierre, donc forcément il résiste, là il est en train de résister à la mort pour accomplir son œuvre. Même si il est dans le pays des morts et que petit à petit c'est en train de prendre le dessus. Allez go. Dragon Allen, enfin on y est. The stronghold of the Fifthlings with the hottest forge in Girdlegard. Dragonfire. This is where evil first entered Girdlegard. A disgrace for the dwarves, who were given the task of protecting it by Vrakus. Since then the perished land has spread.
Alfar and orcs have invaded, and the elves almost eradicated. But you ça pourrait être indiqué, ils ont été éradiqués. You will forge Keenfire and stop Nodon, or die trying. You enter the old stronghold with determination. J'aime bien ce passage là dans les bouquins, quand ils rentrent dans la première fois dans la forteresse et qu'ils découvrent enfin à quoi ils ressemblent. Parce que bien sûr ça fait des milliers d'années qu'il n'y a pas un nain qui est rentré dans cette forteresse depuis qu'elle a été conquise par les Albes et surtout les orques. Et les orques l'ont complètement saccagé et détérioré. Donc voilà. Enfin. Wow. The Fifthlings really knew how to build a stronghold. And we're probably the first dwarves in a thousand cycles to enter these halls. Come on, you beasts! I may be the last, but I will take at least 4 dozen more of you down with me! Gundagar! Hold on, my king! Oh, there's a surprise! Is there some courage hidden inside the little gem cutter after all? Come on, let's help Gundagar. Ils ont piqué les phrases que j'avais dit. Nous sommes les premiers nains à rentrer depuis des millions d'années. Et il y a Gundagar, tiens donc. Lui, ah bah. Donc eux deux sont obligatoires, d'accord. Ok. On va prendre Boindil, parce que Boindil c'est sacré. Et on a notre petit zombie d'accord. Bah tiens, on va le prendre parce que ce sera la dernière fois. Toi t'as tous tes trucs, t'as quoi toi? Ah oui, c'est attire les attaquants à l'endroit de son choix, c'est balance des gemmes et Gwangar se dissimule dans sous son bouclier pendant un court moment. Ok, bon bah mec. Par contre, j'aimerais que tout le monde s'est réuni. Voilà, 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 voilà. Attends. Stop! Le mec il est en train de prendre cher. On va te prendre ça. Écartez-vous, mortel! Bavragor, tu reviens là. Et toi, tu montes quand? Excusez-moi mais j'arrive pas à monter cette caméra, ça veut pas. On va faire ça. Venez à moi petit. Ouh, ça a l'air d'être puissant ça. On va faire plutôt. C'est quoi la Mentos? Un truc, c'est que alors attends, tu fais ça et tu vas me faire ça. Ah, t'arrives pas, il y arrive pas, il peut pas, si il peut. Ou toi t'es en train de prendre super cher, tu vas te mettre encore là dessous et toi t'es en furie. Il peut rien faire, c'est marrant. Toi tu meurs, tu me fais chier. Toi aussi tu meurs, tu me fais chier. Vas-y, concentre-toi là-dessus, tiens, il prend cher. Il prend cher le petit hein. On va te mettre encore comme ça. Parce que là t'es encerclé mon pote. Allez hop, c'est parti. Hop, on va l'écarter. Hop là, hop là. On va faire ça. Hop. Et voilà. Youhou. Vous êtes débiles. Ils sont cons les orques. Ok, toi.
tu vas me terminer ça. Ah, t'es pas mort, toi. Ok. Et ça, c'est quoi? Attaque de bouclier, crasse son bouclier dans la figure d'un ennemi. Merde! Qui c'est qui est mort? Ah merde! Il y a quelqu'un qui est mort! Non! Zut, flûte! Comment faire? Ok, ça c'est bon. Tu vas te faire ça là. Allez, allez, on trace. Tout le monde, allez hop, on trace. Alors, attendez. Faire ça, ça va les calmer. Ah merde, j'ai oublié de faire son... Non, c'est bon, il va faire ça, c'est trop tard. Toi, tu vas lancer ça là-bas, ça va s'attirer. Parfait. Du coup, tout le monde a peur. Et puis les dégager comme ça là, maintenant vous dégagez hein. Il est toujours vivant. Ok, on est bon. Je peux faire ça sur lui. Et vous deux, vous montez. Hop là. Allez, monte. Monte. Putain, mais attire-les là. Alors attendez, stop. T'es où le... Ah t'es là, ok. Faire ça. Ah j'avais pas assez. Ok, tu fais rien. Tu fais ça si tu veux. Yes. Ok. Non. Ok, on est bon. Ta toupie. Ok. Va l'aider. Toi, tu vas faire ça. Fais ça. Ok, ça les a fait fuir. Je vais te donner ça. Et toi, ceci. Putain, Jerry, il a pris cher. Voilà. Ah! Merde! C'est mieux. Tiens, tu dors. D'accord, j'ai dit coup de bouclier, ça n'a pas marché. Jérôme, tu prends cher. Putain, mais c'est chiant ce caméra là. Toi, tu vas me faire ça. Putain, mais tue-le lui. Oula, attends. Non, caméra. Oh putain, Jérôme, fais gaffe. Ok, t'es mort. Putain, Jérôme, il va crever. Alors, faire un truc. C'est cool.
putain, mais il est tombé ce con, il est tombé. Oh putain. Vous pouvez mourir là. Et toi tu meurs. Ouais, tu meurs. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Aidez-le, vite. C'est bon. Oui. My king, you're alive. Zongdel, I would have never have thought I'd be so happy to see you again. You seem to have fared better than we. Alors, qu'est-il arrivé à ton groupe? Nous venons seulement d'arriver, nous devons nous entraider. What happened to you? Where are the others? They are dead. Only I. Il a voulu nous devancer. Your learned tongue refuses to do its job. You consider how it was you who sent these people to their ruin. You don't see any accusation in. Ah oui, c'est vrai qu'ils étaient tous les deux en compétition pour aller faire la première hache. I carry the hope that their sacrifice was not in vain. Nous devons nous entraîner. Get to the forge. Let's forget our contest and work together. I agree. We have seen the spread of the Perished Lands and the beasts of Teon wanted us to keep away from this place. Maybe there is some truth in your story about Keenfire. Nous venons seulement d'arriver. In a few short words, you give account of everything that has happened to you on your way to the kingdom of the Fifthlings. Gandagar listens silently and nods now and then. You have done well. You appear to be a better leader than I expected, Tungdil Goldhand. I don't know. Half the time I was advised what to do next. It is our destiny to follow the untrodden path. Leaders take one step after the other. They never stand still. And if you look back and ask yourself what if, you will never find the courage to take another step. You tense your shoulders and strengthen the grip on your weapon. Let's find out. Not so fast, groundlings. Are you going to stop us, little man? Petit homme. Even greater armies haven't been able to stop us. C'est un... An evil grin spreads across the Famulus's face. Oh, oh Famulus, d'accord. But how about this? Pouvoir de l'amitié. Non. Ah oui, d'accord. Oh, un tas de pierres qui prend vie. Super. Finally, a real talent. Everyone else keep your hands off it. Understood? Bon, bah peut-être que ce monsieur nous serait utile. Cette fois. D'ailleurs, je lui... Non. Je te mets ça à toi. Et toi, t'en as ça aussi. Attends, j'en ai 5 et j'arrive pas à les utiliser, quoi. Bon, bah... Ah bah non, mais toi, j'ai pas envie de toi parce que t'es chiant. Ah ah. Voilà, voilà, voilà. Soigne de forte. Ah oui, bah ça va être très utile. Plutôt ça. Voilà. Ah oui d'accord. Et Bondil en plus il a subi. Oh merde. Alors attends. On fait un petit rayon comme ça là. Ah non c'est pas ce que je voulais faire. Tu en fous rien. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Ah non, les orques ils nous attaquent en même temps. Ok, bon, bah, c'est... Magnifique. Parfait. Je vais mettre ça parce qu'il a besoin de soins, lui. Tungdi, tu pourrais aller de base, s'il te plaît? Merci, parce qu'il y a quand même l'autre qui est en première ligne. Et j'aime pas trop ça. Ah non, c'est pas ce que je veux faire. Ça
C'est lui qu'il faut tuer là avec son. Et go 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 go, là-dessus. Toi tu meurs. Qu'est-ce qu'il fait lui? D'accord, je sais pas s'il fout, mais il fout quelque truc. Alors, toi, on va te donner ça. Bonne deal. Tu vas là-dedans. Et mademoiselle Andokai. J'adore ses pouvoirs. Ah non mais. Putain, pas sur Bwindil, putain. Oh la vache. Oh la vache. Oup. Oup, t'as une subi. Toi tu voulais. Oh putain, t'en faut 3. Faire ça. Ok, Bwindil. Il a ça et j'aimerais bien que toi tu mettes ça, voilà. Oh putain. Quelqu'un peut me tuer ce gars là? Voilà, je l'ai empoisonné. Parce qu'il va être chiant à tuer. Putain, il en manque un là. Non, il est par terre, fiche. Ça me saoule, toi. Le problème de ce truc là, c'est que ça touche tout le monde en fait. C'est ça qui est chiant. Et ça, tu peux l'encaisser, enfoiré. Voilà. Oh putain, fais gaffe, t'as quelqu'un derrière toi. Ouf. Ok, bon bah ça c'est fait. C'est chaud quoi. Je vais mourir. Je ne mourrai pas comme ça. Yeah. Jusqu'au dernier. Attaquant tué, zéro, golem tué. Ok. Mais pourquoi les orques viennent là? Il y a un golem qui est dans l'eau et... Mina, putain, il a en plus il a des... Et voilà, ça c'est fait. C'est pas facile. Hein. Le truc que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai oublié de lui donner ça. Sonne fortement en allié avec 50% de sang que se propageait un autre allié. D'accord. Ah, au final, ouais, je devrais peut-être ouais, utiliser Jérôme au lieu de... On va te donner ça. Ok. Et toi? Peut-être c'était pas mal. Il en manque un. Oh oui, ça peut être bon ça. Bon. Bien sûr. Ah mais Jérôme, il n'a plus de vie aussi. Oh là là, vous êtes chiants les gens. Allez, dégagez vous. On n'en parle plus. Ah mais non, mais... Si tu dégages aussi...
Et ben non. On my way. Salut. Hop, alors. Hop, merci. Oh putain, oh putain, oh putain, j'ai fait une connerie. J'ai fait une grosse connerie. Oh le con. Oh la vache. Non. Non, on va le tuer. Putain, barrez-vous. Oh putain, tu commences à me saouler avec ta main vengeresse. Voilà, tu vas prendre ça. Et Jérôme, tu me... Voilà, tu me maras. Putain. Viens là, toi. Tu commences à me saouler avec tes potions de mes fesses. Oui, on va le finir. Mais bon. Barrez-vous là, comme ça me saoulait. Hein. Putain, Jérôme il va tomber, Jérôme il va tomber. Et merde, il est tombé. On est merde. On est dans la merde. Alors. Non, fais-moi un petit truc genre... Et tu fais ça sur eux. Hop. Là, ils font chier les zombies là. Hein. Enfin les orques je veux dire. Ok vas-y, termine-moi lui. Hop là, ça c'est très bien. Ils vont s'en sortir. Ok, t'étais mort. Toi tu meurs. Good night. Toi tu meurs. J'ai... Faut que j'oublie qu'il y a du TK, hein, mais je pensais pas que la zone de Jérôme était si haute, quoi. On va se relever. Youpi. Oh là là. Tongdil, let's hope that was the last obstacle on the path to your victory. I've already said it once, but I will say it again. I don't want the throne, and I never did. All I care about is saving Girdlegard. Jérôme, ne sauvegarde, s'il vous plaît. Make sure that Keenfire is forged, and promise me that you will work with Namora and Keenfire against Nodon. Gandagar bows his head. By Vrakas and Gislebert Ironeye, in whose kingdom we now stand, I swear I will not rest until Nodon is dead. But you will be by my side. Magnifique. Ok. Alors bien sûr, je ferai une coupure hein, parce que je me suis repris à plein de fois. Là, pendant un court moment, Bandit a fait 50% de dégâts supplémentaires avec toutes ses attaques. Et là, Bandit remporte deux fois plus de points d'armure lorsqu'il tue ses ennemis. Oh, c'est pas mal ça. Toi, t'as quoi là? Mais bon, de toute façon, t'as gagné. D'accord. Prochaine fois, c'est Rodalio et persuade habilement ses ennemis de combattre à ses côtés. Ok. Namora. Alors. Namora perturbe la pensée de ses ennemis, les ennemis se sont étourdis ou combattent aux côtés de Namora pendant un court moment. Namora apparaît derrière un ennemi et inflige à lui et lui inflige des dégâts. Elle a 75% de chance d'attaquer un autre ennemi dans la foulée. Jusqu'à 10 ennemis. Ah oui d'accord. Furgas. Bah Furgas, il a le choix entre ça ou les level 10 de toute façon, donc voilà. Donc il a gagné, Furgas tire des grenades qui explosent au moment de l'impact, c'est très bien. Et ok. Parfait.
Alors. Où on en est là? You can't be serious. It looks like all the fiends of Girdlegard have gathered here together. You take a deep breath. We've come too far to give up now. The gate to the forge is at the other end of the hall. Protect those who are important for the creation of the Keenfire. The rest of us are dispensable. Attack! Oh, c'est magnifique. For Girdlegard! For Bracas! Yeah, Oigoig! Here I come! Ah oui, mais ça aurait été plus simple avec tout le monde. Ok, on va surtout s'arrêter là. Et normalement, c'est parfait. J'ai une autosave. Parce que je voulais qu'on s'arrête là-dessus. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouvera bien sûr pour la suite. Où on va enfin pouvoir forger la lame de feu. Et ensuite aller botter les fesses à Nodon. Donc là, on a du combat en continu. Là, c'est arriver dans les montagnes du 5e, c'est laborieux. Allez, je vous dis à toutes et à tous une très bonne semaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.